Yo les gars, salut à tous, c'est Benoît sur YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de mon nouveau casque HyperX Cloud 2 que je vous présente maintenant les potos. Et voici mon nouveau casque avec lequel je vais jouer maintenant les potos. Genre, donc là on va faire l'unboxing les potos, on va parler un peu du casque, de ses effets, tout ça les potos. Et après on va faire le test, les rays du casque sur Fortnite. Et après on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Je vous donnais, je vais régler le son, tout ça, et on part maintenant sur l'unboxing. A tout de suite, Kaya. Bla! Donc, creux, les gars. Donc, voilà. Là, on se retrouve maintenant pour l'unboxing de mon. Ce qui est marqué juste là, excusez-moi. HyperX Cloud 2. Hop, c'est parti, les gars. Allez, let's go. On va voir ce que ça donne. Hop, je l'ouvre. Hop là. Déjà ça, oh je l'ai déjà déchiré wesh. Je suis en bourrant ma gueule. Hop là. Hop. Ouh. Très très beau emballage déjà. Ah ouais. Ah ouais délire. Ah ouais. Ah ouais délire les gars. Bon la boîte. Regardez hein, la boîte. On s'en fout. Oups. Hop. Je sais pas comment ça s'ouvre. Oh là là. Ah ok ça s'ouvre tout simplement. Oh là là. Oh là là j'allais l'ouvrir à l'envers. Oh là là, j'allais faire une gourde. Ah bah ouais, voilà. Pff, oh là là, qu'est-ce que des fois je suis con. Genre en vrai, regardez ce que ça donne déjà. Genre direct sur l'ouverture, le HyperX. Pardon, comme ça, HyperX directement les gars. Oh là là, franchement il a l'air d'être pas mal, il a l'air d'être pas mal. Hop, on l'ouvre. Voyons voir ce que ça donne. Hop, bah déjà, on a deux petits trucs. Ouh. Oh là là, très bon emballage, hein. Très 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 bon. Regardez ce que ça donne. Regardez l'emballage, comment il est. Bon, oh le truc, ça, c'est moche. Hop, on vient. Regardez, voilà ce que ça donne. Le casque, je pense que ça, c'est les coussinets qui vont avec le casque. Le micro, pardon, excusez-moi, qui est juste ici, les poteaux. Et ça, c'est un autre prise jack, excusez-moi. Hop, voilà ce que ça donne. L'emballage. Franchement, il a l'air d'être pas mal. Hein. Il a l'air d'être pas mal. Bon, on l'enlève. Hop. Ouh. Ouh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouh, il est lourd. Hein. Ah, franchement. Ah ouais. Ah ouais, il est extensible de ouf. Ah, je regardais, hop, il y a juste le micro qui est juste là, hop, le casque, le fil, pardon, regardez, il est extensible de fou. Et là, imaginez, je le casse, les gars, imaginez, je le casse. Ah, il est... Ah, il est pas mal, hein. Il est pas mal avec le... Avec encore... Avec la marque. La marque, elle est partout. La marque, elle est partout. En tissu, en plus. Du sur du cuir, du tissu sur du cuir, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop, regardez les trucs qui sont juste là. Hop, oh. La marque, encore une fois. Hop, on s'en fout de ça. C'est des deux côtés. Hop, regardez ce que ça donne. Hop là. Voilà, voilà ce que ça donne. Le HX, HyperX. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec la, excusez-moi, avec la prise jack qui est juste là. Hop. Tu vois qu'on va brancher directement sur la manette. Bon, je vais mettre ça de côté. On va voir ce qu'il y a de plus dans la boîte. Hop, on continue. Le micro qui est juste là. Hop. Qui a l'air d'être vraiment pas mal. En plus le micro à ce qui paraît c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Ça va être un meilleur micro. De toute façon on va le voir juste un instant les gars. On va le voir à l'instant quand je vais faire le test les potos. Genre quand je vais faire le test, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Ah ça je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est pour brancher sur PC, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, je crois que c'est pour brancher sur le PC. Et après là on met encore une prise jack pour directement mettre bah, sur le PC pour directement. Hop, on va enlever le coussin. On va enlever le coussin là. Hop, parce qu'il y a encore autre chose dedans, derrière. Ouh. Ah ouais, c'est très très bien emballé. Ah oui, d'accord. Regardez, c'est très 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 bien emballé. Hop, encore quelque chose d'autre. Oh, un câble USB. Ah voilà. Ça, ce qui est très 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 important. Je sais pas si on peut, si on le branche directement. Ah, ça c'est pour l'ordinateur. Ok. Ça les gars, c'est pour l'ordinateur. Genre, regardez. Regardez comment c'est. Le plus, le moins... Avec le 7.1, c'est vrai que le casque aussi elle est en 7.1, donc ça c'est génial. Ça c'est vraiment génial avec le son du micro qui est juste là, on peut le baisser, le descendre. Tout ça et là avec le son du micro, du casque aussi on peut le baisser ou le descendre. Et vraiment pas mal du tout. Ça ça serait bien pour le PC, tout ça franchement c'est vraiment pas mal. Après ce qui est dommage sur ça c'est que sur, bah, sur PS4 on peut pas directement le brancher. Ou à moins que j'essaierai de le brancher directement via... Bah, ma PS4 au lieu de le brancher directement sur la manette. Tout ça la manette je serai libre de faire ce que je veux avec. Et puis voilà on verra de toute façon on verra si ça marche. Je verrai pour l'instant je vais rester comme je suis. Et après bah voilà quoi. Donc voilà voilà. Donc voilà. Donc voilà le casque et les potos. Je veux vous montrer tout ça tout de suite les gars. Hop.
Je vous montrerai tout de suite tout ceci et puis voilà, on va laisser tout ça sortir et je vous montre qu'est-ce que ça donne en plus près. Allez. Allez les gars. Je vous montre tout de suite. Allez, à tout de suite. Je suis avec tonton, je fume un col. Une grosse paire de couilles, une rafale, je suis dans ton rôle. Pas de cocaïne dans mon nez, mais je fume le jaune. J'ai dit pas. C'est le P, c'est le L, c'est le K, c'est le ouf. Arrête de faire genre, tu connais. Ah, pas les dire à tous ceux qui me comparent que c'est des ouf. Eux et moi, y'a trop de flow d'écart. On n'a pas les mêmes rimes, non, pas les mêmes flows. Pas les mêmes teams, non, pas les mêmes mots. Pas les mêmes. Relatim! Donc voilà ce que ça donne le casque, les potos. Voilà ce que ça donne, les potes. Et vous avez vu aussi au niveau du son, normalement, vous êtes un tout petit peu mieux. Normalement, le son au niveau de ma voix, les potos, normalement, c'est un tout petit peu mieux. J'ai remarqué aussi que j'avais essayé ça via la PS4 directement. Et le seul bémol, les potos, c'est qu'avec lecture à distance PS4, ça ne marche pas du tout. C'est vraiment le seul bémol. Je suis vraiment navré, les potos. Genre, ça me fait un peu, on va dire, chier. Je mâche pas mes mots, les potos. Ça me fait un peu chier. De toute façon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on laisse le casque tranquillement branché, normalement, directement à la manette. Mais le seul souci, c'est que je peux pas régler le son du casque avec le son, quoi, plus le son de la voix directement. Alors, ce qui était dommage, c'est qu'avec ça, directement, on pouvait régler directement ces problèmes. Mais bon, ce n'est pas là maintenant. Maintenant, on va essayer le son du casque, tout ça. On va voir ce que ça donne à 7.1. Mais par contre, le seul truc, c'est que par rapport à mon ancien casque, que quand je parle, je m'entends beaucoup moins qu'avant. Ça, par contre, ça va être quelque chose de truc parce, de ouf parce que je m'entends pas parler. Des fois, ça risque que je parle très très fort. Bon, enfin bref, on va essayer le casque maintenant. On est sur Fortnite, les potos. On va essayer le casque, évidemment. On va se retrouver tout de suite pour la suite du casque HyperX Cloud 2. Et maintenant, on va se retrouver en terrain de jeu, les potos. Et je compte sur vous au max, les gars. Avant que je fasse tout ça, d'un maximum de likes. De partage les potos, de vous abonner à ma chaîne et surtout les gars de vous abonner à mes réseaux sociaux qui seront dans la description les potos. Ça me ferait vraiment super plaisir les potos, c'est gratuit les potes, ça mange pas de pain les potos. Et puis voilà, je compte vraiment sur vous les potos, le maximum de pouces bleus et d'abonnements sur ma chaîne YouTube les potos. Allez, à tout de suite les gars. Re les gars, donc voilà, on se retrouve ici les potes. Donc là, évidemment, voilà. Le son, franchement, il a l'air d'être vraiment pas trop mal du tout. Pas trop mal. On va directement sauter à Tilted. On va voir ce que ça donne avec les bruits des armes, évidemment. Tout ça, les potes. Ça fait vraiment super plaisir, les potos, de se retrouver là. Franchement, pour un unboxing et plus un test, les potes, ça fait super plaisir. Évidemment, sur Fortnite, les gars. Sur Fortnite, on changera pas ses habitudes, les potos. Et puis, on va voir ce que ça donne, de toute façon, les sangs. On va voir. Bon, allez, les rays. Par contre, au niveau du 7.1, par contre, c'est vrai que le son, il est très, 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 très lourd. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Quand le bruit du planeur, tout ça, franchement, il est ouf. Par contre, les gars, je vais avoir un tout petit peu de mal à jouer parce que ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué à Fortnite, les potos. Oh là là. Ouh, hey, le bruit. Waouh, le bruit, les potes, c'est un délire. Par contre, hey, les gars. On va voir ce que ça donne de toute façon. Hein. Ah, ils ont remis les silencieux? Ah, bah non, c'est vrai que je suis en terrain de jeu. C'est vrai que je suis en terrain de jeu. Hop, les gars, on se retrouve tout de suite. Je me stuff, tout ça, les potos. On se retrouve tout de suite. Re, les gars. Donc voilà, donc là, on se retrouve. Là, je me suis stuff, tout ça, les potos. Vous avez pu voir en bas à droite, j'ai un peu moins de balles. C'est juste, en fait, je me suis fait juste avant. Comme un. On va dire un con. J'avais oublié de mettre le son du jeu. J'avais oublié de mettre le son du jeu maintenant. Je l'ai mis, les potos. Donc, je sais. Donc, c'est vraiment trop trop bête. Bon, allez, les gars. Alors, on va voir ce que ça donne. Moi, je sais déjà ce que ça donne maintenant. Mais le son, ils sont très très ouf, les potos. Genre, vraiment, le 7.1, les gars. Genre, c'est quelque chose quand même. Franchement, les gars, le 7.1, c'est quelque chose. Les rays. Eh, franchement, les gars, si vous avez l'occasion d'acheter un casque quand même qui est du 7.1 avec un micro quand même qui est pas mal, vraiment bien bien bien, franchement les sons, regardez, et même le son du snipe les gars, même le son du snipe, on entend tout le raisonnement autour, les potos. C'est du 7.1, donc ce qui veut dire le 7.1, c'est à dire qu'il y a 7, on va dire qu'il y a 7 haut-parleurs qui va être tout autour, les potos, tout autour du casque. C'est à dire 1 2 3 4 5 6 7 en tout, donc ça fait 7, hein, vous avez pu voir, hein. Ça fait vraiment cet haut-parleur les potos, ça fait vraiment super, c'est super ouf. Même au niveau du pompe, hein. Là c'est un truc de malade mental. C'est un truc de ouf. Même au niveau du silencieux, tout ça. Mais là où je suis choqué, c'est au niveau du sniper.
Au niveau du sniper, les potos, c'est quelque chose de dingue. Et en plus, le pire dans cela, c'est que quand je parle, comme je vous avais pu dire tout à l'heure, je parle. Mais je m'entends même pas, des fois, quand je parle, je m'entends même pas, les potos. Genre, c'est vraiment quelque chose de très très dingue. Si vous pouvez vraiment, à l'occasion, acheter un casque comme celui-là. Bon, pour l'instant, c'est qu'un unboxing et un test. C'est juste un test. Bon, ça se trouve, pour plus tard, ça se trouve, je vais un peu rager sur ce casque. J'espère pas, parce que c'est un casque, ça coûte très très cher. Je l'ai acheté 87 € les potos. Et j'ai attendu une semaine avant de l'avoir. Donc, je vais pas essayer de rager dessus. Je vais pas essayer de le casser ou quoi que ce soit. Parce que j'y tiens maintenant. C'est mon tout nouveau casque. Et en plus, il est très 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 bien. Donc, voilà. Donc, les gars, si vous pouvez l'acheter celui-là, franchement, ça serait vraiment très 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 propre. Bon, voilà. Hop là. Ah, bon, franchement, le son du snipe, il est magique. Genre, vraiment. Genre, vraiment, le son du snipe. En plus, comme j'entends bien, je pense que. Genre, ah putain, mais même au niveau des construits, c'est magique. Oh là là, c'est un truc de ouf. C'est magique, même au niveau des construits, genre, les gars. Ah, juste changer. Oh là là. Genre, on attend vraiment tout, hein. Genre, c'est vraiment un truc de ouf, quand même. Ah, le con! Même au niveau du son, tout ça, les potes, c'est un délire. Bon, les gars, ça va être la fin de la vidéo, les potos. On se retrouve dans un instant pour la suite. Pour la fin de la vidéo. Allez, tout de suite. Ouais les gars, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, de l'unboxing et du test, les potos. Franchement, c'est un, comme je vous avais dit juste avant les gars, c'est un casque qui est vraiment super 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 propre. Genre vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Vraiment, normalement peut-être au niveau du micro, comme vous avez pu se consentir au début de la vidéo, franchement elle est beaucoup mieux quand même. Elle est beaucoup beaucoup mieux. Donc vraiment, ça fait vraiment grave plaisir les gars, genre d'avoir un casque, un nouveau casque. Franchement, on entend tous les sons du jeu, franchement c'est un délire monumental. Ça fait grave plaisir, voilà les gars, juste en travaillant on peut s'offrir les choses les gars. Genre c'est ça qui fait plaisir, ne dites pas que c'est la YouTube monnaie les potos, je n'ai toujours pas touché de YouTube monnaie les gars. Donc ça c'est vraiment vrai les potos, ça faites attention à ça, dites pas les gens dans les commentaires, ils disent ouais mais c'est la YouTube monnaie tout ça, tout ci. C'est pas la YouTube monnaie les gars, sur ce coup là j'ai toujours pas touché 1 € de la YouTube monnaie encore sur mon compte en banque, donc voilà. Bon les potos, les gars, pour ce casque encore, genre vraiment... Si vous avez l'occasion d'acheter un nouveau casque à 100 boules, prenez-le. Franchement, c'est un casque très très pop qui est compatible avec PC, Xbox, PS4, mobile et Nintendo. C'est un casque qui va avec tout. Qui va avec tout. Oups, qui va avec tout. Genre vraiment, vous pouvez vraiment l'acheter les potos. Genre vraiment, c'est compatible avec tout. En plus, c'est un 7.1, 7.1, comme j'avais dit tout à l'heure. S'il y a 7 haut-parleurs autour, genre vraiment, c'est très 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 propre. En fait, je dis haut-parleurs depuis tout à l'heure, mais c'est 7 enceintes en fait. Cette enceinte en fait qui est autour du casque, excusez-moi, il y a 7 mini enceintes qui sont là et franchement le son il est très propre. Genre voilà, en plus il est comment dire, il est léger. Moi il y a juste le cuir, il est un peu serré là au niveau de là, c'est juste un peu serré, ce qui est vraiment dommage. Je le trouve un tout petit peu plus serré. C'est pour ça que je voudrais mettre les petits coussinets en tissu, c'est de la mousse quoi. C'est juste de la mousse et c'est pour ça que je voudrais enlever le cuir en fait. Mais le cuir je pense que je vais le garder. Mais après le truc c'est que quand il fait chaud l'été, genre que tu gardes du cuir, c'est ça qui est pas trop propre aussi, parce que quand tu fais chaud, ça te fait encore plus transpirer parce que le cuir ça reste, ça garde la chaleur. Mais après, ce qui est bien aussi avec le cuir derrière, c'est que ça te sert que tu n'entends rien autour de toi en fait. En fait, tu restes dans le jeu en fait. Comme t'entends rien, genre là, ouais, quelqu'un il a beau ouvrir ma porte hein, dans ma chambre, j'aurais rien entendre. Donc voilà. Donc, les gars, franchement, sur le casque au complet, je donnerais une petite note, on va dire, de. Pour ça, c'est un début, un petit 15 sur 20. Un petit 15 sur 20. Vraiment, un bon petit 15. Parce que ce qui est vraiment dommage avec la lecture de licence PS4, tout ça, tout à l'heure, comme je vous disais, ça marche pas les potos. Genre, c'est vraiment très dommage. Mais avec le truc en cuir, le casque un tout petit peu serré. Mais après, sinon, au niveau du design, il est très très propre. Au niveau, en plus, dans l'emballage. Bon, après, c'est que dans l'emballage, voilà. Au niveau du casque, il est très très propre. Au niveau du son, tout ça, les gars. Même, comme je vous dis encore une fois, au niveau du micro. Il est très très propre. Bon, enfin bref, les gars. Sur ce, je vais vous laisser sur cette fin, les potos. Les gars, n'oubliez pas un maximum de likes et un maximum d'abonnements, les potos. Si cette vidéo vous aura plu, ça me ferait vraiment super plaisir, les potos. Et n'oubliez pas, dans la description, il y a mes réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, Snapchat et Discord et Instagram aussi maintenant. Et maintenant, j'ai un nouveau compte Instagram qui est Impertor en majuscule, comme ma chaîne YouTube, les potos. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça me ferait vraiment super plaisir, les gars. Bon, les gars, sur ce. Je vais vous laisser tranquillement. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo ou soit pour un nouveau live, les potos. Et on se dit à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, bassimer. Scrrra!